Le réseau Internet est de retour dans la région du Sud-Ouest Cameroun depuis ce jeudi après-midi du 20 avril 2017. Au lendemain du rétablissement des connexions, les populations de Tiko, Moutengene, Boya et Limbe savourent. Vers 18h, quand les gens ont dit qu'il y avait l'Internet, je suis rentrée à la maison avant de regarder et j'avais l'Internet, donc je l'ai fait toute la nuit et le matin aussi. Je suis contente, très fière. Quand même, on va mieux fréquenter. Tout ça, ça facilite la tâche maintenant. Quelqu'un est passé crier qu'il y a Internet. Tout le monde a activé sa connexion sur le téléphone et puis c'était là. Le rétablissement du réseau Internet à Boya précisément a également provoqué le retour de certaines activités. C'est le cas de plusieurs établissements de microfinance et cybercafé, même s'ils ne sont pas encore sollicités par les populations. L'Internet marche, on ne discute pas ça. Même avec l'arrivage de l'Internet, rien n'a pas changé parce que la vie était morte. Bon, beaucoup de gens savent bien que ça ne tourne pas. Les autres sont déménagés, sont maintenant à Douala. Pour ce tenancier de shopping, la joie de surfer sur son mobile est perceptible. Depuis ce matin, j'étais surpris de voir le retour d'Internet. Quand j'ai pris mon téléphone le très tôt le matin, vraiment c'est une fierté, c'est un premier pas vu aussi la crise que nous vivons ici avec nos activités. Puisque ici on était complètement bouleversé avec la situation financière et puis même les élèves qui font aussi parfois notre force. Déjà avec le retour de l'Internet, ça va permettre déjà qu'on propose des nouveautés, surtout nous qui faisons dans nos shopping, on va proposer des nouveautés à nos clients. Sentiment partagé par les COPS de l'Université de Boya. Et j'ai été très ravi et nous avons passé presque une partie de la nuit à surfer malgré la connexion qui n'était pas bonne, mais c'était déjà quelque chose parce que nous avons pu avoir quelques informations qu'on n'avons pas eues il y a cela près de 3 mois. C'est une ville de Boya que nous avons laissée calme avec ses populations responsables, chacun ne souhaitant plus se déconnecter sur le réseau Internet.